Bonjour à vous, cher auditoire. C'est Mister Moustache en direct de Outlast. On s'était quitté. J'étais avec cet homme. Il était plutôt sympathique. Il restait bien posé. Pas de problème. On avait trouvé des piles, un appareil photo que Jason ne voulait pas prendre. On était sortis des égouts. On allait vers l'aile des hommes. L'aile des bonhommes, quoi. Et on devait pousser ce cageot pour ouvrir cette porte qu'un homme, sulfureux sans doute, et plein de haine, voulait nous tuer. Voulait ouvrir, en fait. En tabassant la porte. Ok. Donc maintenant, elle peut être ouverte. J'ai super peur. J'ai super peur parce que normalement, il y a un homme. Oh mon dieu! Qui c'est qui tapait frénétiquement comme ça? Te calme-toi. On referme cette porte. Voilà. Parce que l'autre, là, on le connaît, hein. Il va se réveiller. Il va venir nous tabasser la gueule. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon dieu. C'est terrible. C'est un labyrinthe. C'est plutôt labyrinthique, en effet. Ok. Alors là, il y a un truc d'égout. Alors, je me demande si on peut pas... Je pense qu'elles sont fermées, ces portes. On va essayer de les ouvrir. C'est ça, elles sont fermées. Les deux, j'imagine. On va essayer quand même. Ok, donc on doit passer par les égouts. Parfait, on fait que ça dans ce jeu de fou. Passer par des égouts. Complètement taré. Hop. Oh mon dieu. Oh d'accord, on arrive dans les salles de... d'examen, d'opération totale. Là, on doit être dans une salle de réanimation de la mort. Oh, trop vivant. Non, non, on se sent jamais trop vivant, mon ami. Ce sont des hallucinations que tu as. D'accord. Le mec est en train de... En fait, il traumatise tout le monde. Pourquoi tu ouvres cette porte, Jason? Je vois pas qu'il y a un malade là-bas. Oh mon dieu. C'est plutôt hard quand même comme opération, hein. C'est pas convention de Genève tout ça là, non, hein. Donne-moi ce document, l'ami. Je vais voir qu'est-ce qui ne t'a pas enlevé en fait, parce que là, a priori, tu n'as plus beaucoup de choses sur toi. Compte rendu d'état de patient. Je dirais qu'il est mort sans être un scientifique. Ah, Rick Trigger. Ce patient aussi est hélas décédé. J'ai fait de mon mieux, mais je ne suis qu'un médecin, pas un faiseur de miracles. Et ce travail de docteur est encore nouveau pour moi. D'accord, docteur, tu le mets entre guillemets. Ok, c'est une profession, hein. C'est un travail, on dit ça souvent. Alors je continue à faire des découvertes. En tout cas, il va falloir que quelqu'un dégraisse ce catastrophique projet Wallrider. On perd des sommes énormes depuis que ce truc a été lancé en l'honneur de ce gamin, ce Billy. Mais j'ai réussi à réduire les effectifs environ plus de 80 personnes. Oula! Toi, les plans de restructuration, tu connais, hein. D'où une baisse de la masse salariale à court terme, et à long terme des économies en retraite et frais de santé. D'accord, mais vous parlez de choses complètement mais éloignées de ce que vous faites en fait. Vous torturez des gens et vous parlez d'économies et de retraite quoi. Pension alimentaire et tout les mecs. Non mais troisième degré, vous êtes fous vous. Et j'ai appris pas mal de choses sur la biologie. Ça c'est bien. Ça n'a pas été facile, mais je peux maintenant affirmer qu'un être humain ne peut pas vivre sans rein. Eh oui, c'est ce qu'on t'apprend en maternelle en fait. Aïe, on en apprend tous les jours. Eh ben dis donc, j'aimerais pas être à ta place. Ok, on va continuer. Allume cette lumière. Il y a des choses ici. J'ai pas du tout envie de soulever ces rideaux, les gens parlent encore. Hein. Ça veut dire qu'il leur reste au moins un rein. Ok, arrête de faire de l'humour. Et saute. Non, non, quoi. Non mais moi je veux juste... passer, voilà. Par ce conduit d'aération, allume ça. De l'autre côté, il y a rien. Je pourrais passer de l'autre côté en réalité. Bah, pourquoi pas? Non? Ok. Non, non, mais d'accord. On fait comme tu veux, Jason. Ok, mets de la pile. Mets un peu de lithium dans ta caméra. Ça fera du bien. Ça apporte de la lumière en plus, c'est plutôt cool. Non, 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 non! Hop! Qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh! Non! Oh! Chut! Oh! Oh! Oh là! Non! Vite! Pousse! Jason! Jason, pousse-moi vite! Ouais, ok! Ouvre cette porte! Ok! Ferme la porte! Non! Quelle expérimentation! Oh mon dieu! Cacher des objets peut être... Cache-toi quelque part! Oh mon dieu! Le Wallrider!
Ok. Voilà. Ok. Oh. Ok. Mec, pousse. Pousse. Jalen, pousse vite. Mets toute ta force. Ok. Oh. Oh. En réalité, on est enfermé avec cette viande pas fraîche. On est dans une morgue. Ils vont se réveiller. Par là. Ne t'enferme pas dans la morgue. Mais tu es fou. Oh. Cet homme n'a aucune proportion des dangers. Ok. Oh. Non. 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 Ok. Passe par là. Ok. Saute. Enlève ta caméra en fait. Saute. Ok. Oh. Oh. Oh mon dieu, c'était intense là pour ton petit cœur, Jason. Hein. Vomis un peu. Ok. Les lasagnes de ce midi sont pas passées, mais c'est pas grave. Quoi? Oh non! Garde un peu de vomi dans ta bouche! Vite! Y a un truc là! Oh oui, parfait! Je l'avais pas vu! Ok. Ok, cours! Des salles de classe! De lobotomisation, oui! Il veut son argent, mais j'ai pas ton argent! J'ai pas d'argent de poche! Dégage! Ferme cette porte! Ok. Quoi? Oui! Qui c'est? Mon ami! Oh, génial! J'ai peur, hein. Oh. Aïe! Oh! Le docteur, non! Oh non, j'ai lu vos expériences, docteur, je vous admire, mais arrêtez! Non, me vide pas, mon ami, mon poids me convient. Ne me vide pas de l'intérieur. Oh, c'est génial. Dans une petite chaise roulante. Ça fait peur. L'ami, où on va? Tu m'emmènes où? À Walt Disney? S'il te plaît. Dis-moi, un parc? Des jeux? Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Oh là, mon dieu. La sortie! You wanna head out and take a stroll? Oui! Go ahead, I'll wait here. Oh, c'est génial! Come on, run free! I'm in no hurry. D'accord, on est d'accord, hein? Alright. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Oh non! Oh non! Non! Monsieur! Vous allez pas me faire de mal? Oh mon dieu, mais où est-ce qu'il m'embarque? Ok. Il y a du sang là. Vous le prenez souvent ce chemin? Vous devriez nettoyer un peu souvent. Des fois, quand même. Oh non, moi je dis pas ça. Tu dis pas ça, Jason. Dis pas ça, lui. Oh. Oh. Oh non. Cet homme est fou. Cet homme est possédé. Non mais t'es en train de te chier dessus en fait là, Jason. Là c'est les chutes du Niagara dans ton pantalon. Oh mon dieu. Oh. Tu cadres mal. Non, tu vas pas filmer ça, mais tu es un psychopathe. Oh, tu pourrais mettre des... une culotte au moins, s'il te plaît. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou Bible thumping. Qu'est-ce que c'est que ces outils? Non, pas d'accord. A little bit. Fais peur, ma vie. It's understandable.
Oui, choisis un autre outil. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold. We're onto a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. Il me fait une séance de catéchisme, mais c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Murder is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Ah non, pas mes doigts. And that's what I'm here for. Ah ouais, non, non, non. Believe. Qu'est-ce que ça? You paying attention? Aïe! Don't pass that on me. There's so much for you to absorb. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? There. Oh non! Here's the only cheat here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Oh! Oh non! T'es mal, Jason. Tu vas pas pouvoir appuyer sur le bouton on. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais ça. Plus vite. C'est bon. Oh mon Dieu. Ça va faire plutôt mal. Lave-toi les mains. Oh. Ah oui, bah là tu évacues, c'est normal. Tu en avais encore pas mal dans ta bouche, hein. Apparemment. Oh. Donc là, on est dans l'épisode Les Doigts. J'ai pas envie de passer au deuxième épisode, en fait. Alors, on va se calmer. Et on va... rester dans cette salle. Qu'est-ce que tu as mangé, Jason? C'est bien vert, quand même. Oh. Non, il y a personne. Arrêtez. Vous me persécutez, les gars. Oh. Un cadre. Un cadre de qui? Oh. Nobody. Oh. Non. Dégage! Oh non! Oh non! Ok! Cours! On a pu le faire à des centaines de personnes, on pourrait le faire avec ce docteur complètement fou, mais ça y est! Continuez par là! Nécessite une clé! Ok, passe par là! Oh! Oh! Non. Pourquoi tu pousses ça? D'accord, là c'est vers l'élévateur, mais il nous faut d'abord la clé. Il nous faut d'abord une clé. Y'a rien ici? Ah, si, une pile. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va continuer par là. Qui fait du ce bruit là? Tu m'as pas vu, hein? Tu ne me vois pas? Tu me vois? Est-ce que tu me vois? J'ai pas envie que tu me vois, mec. Je suis caché là. Hein. Tu me vois absolument pas, espèce de traître! Oh non, mais. Hey, nobody likes a quitter! Oh non. Ok. Mon Dieu, il est cul nu ce type, il est fou. Ok, donc en fait il est là quoi. Il nous suit. On est à sa merci. C'est le nouveau Wall Rider ce type. Pas la porte. C'est complètement con d'ouvrir cette porte. Non. Cours. Cours. Ouvre la porte. Ferme la porte. Je pense que lui sait ouvrir les portes. Oh non. Oh. Cours.
Par là. Non. Oh. Oh non. Mais y a pas de truc. Oh non, j'ai fermé la porte. C'est trop con. Ok, cours. Il doit y avoir quelque chose. Hop là. Par là. Je sais pas moi. Ah, c'est fermé. Oh mon dieu. Oh. Mais par où il faut passer? Oh non, il me suit. Il me persécute en fait. Oh. Oh mon dieu. Y'a rien pour se cacher ici, cette porte. Par là. Non. Aïe. Aïe. Oh non. Je crois qu'il m'a... Il m'a tué. Ok. Va falloir qu'on s'organise un peu mieux, là. On est mort 3 fois dans ce jeu. C'est pas beaucoup, je trouve. Mais en fait, je comprends pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il... Il est obligé de nous voir. Oh! Bah là, il m'a entendu. Ok. Va dans ces toilettes. Ferme les toilettes. Oh, y a une pile. Ok, donne-moi cette pile. Ok. Je sais pas si je suis bien caché dans les toilettes. Ah, mais il casse quand même les portes, hein. C'est un docteur, mais il casse les portes. Ok, non, mais c'est trop vieux, s'il a qu'à juste ouvrir toutes les toilettes. Il va pas le faire? Hey, nobody likes a quitter. Ok, non, mais très bien. Pas très malin comme type, hein. Ok, là, y a pas de toilettes. C'est plutôt pratique quand on va aux toilettes. Ok. Là, je ne le vois pas. Cet homme est mort. Est-ce que tu es mort, l'ami? Ah, on peut se cacher. On peut se cacher sous les draps. Oh, mon dieu, c'est quoi que t'as, toi, comme problème? Une sorte de crampe, c'est ça? J'ai plutôt peur. Il n'y a personne ici. On va essayer ici. Oh mon dieu, il y a des gens qui peuvent susceptiblement crier. Mais il y a des lits. Là, il y a un lit où je peux me cacher, je pense. Ouais, on va se cacher là-dedans. Oh non, lui va crier, lui va hurler. Il va hurler. Ah, on peut se cacher dans les lits de tout le monde, en fait. C'est plutôt pratique. Ok, continuons. Mais qu'est-ce qu'il fait aux jambes de ces messieurs? Il y a des caméras, non mais c'est obvious, il a juste à regarder l'écran de surveillance et c'est bon. Oh! Cache-toi! Oh mon dieu! Ok, il est là, mais il m'a pas vu. Oui, t'aurais dû me couper les pieds avant, c'est vrai. Ok, donc là, il y a d'autres toilettes. Apparemment, j'ai réussi à m'en sortir plutôt pas mal. Ok. On va recommencer. Donc là, c'est barré. Ok, il est là. On en a vu. Non! Non! Oh là, il m'a vu! Oh non! Comment on va faire? Ok! On va devoir tourner en rond, quoi. Mais il me suit à la trace, comment je vais faire? Ça va être impossible. Hop, on va fermer la porte! On va se cacher dans les toilettes. Ok. Comment je vais faire pour l'esquiver, ce type? Oh mon dieu!
Tu es parti? Tu es là? Tu n'es pas là. Je peux ouvrir cette porte? Ok. On est d'accord que tu es un grand malade. On est d'accord que tu veux ma mort. Ok. Hop. Par contre là ça va plus être possible. Parce qu'il va casser cette porte et bien et après je pourrai plus rien faire. Ah. Mais non. Aïe. Aïe. Oh non. Ah, attendez, je vais en profiter pour vérifier où est-ce qu'il faut que j'aille. Faut que j'aille dans ce bureau en fait. Oh mon dieu, non. Oh, je suis mort. Je suis mort et c'est la fin de l'épisode, cher auditoire. Je pense qu'on trouvera la solution dans un prochain épisode. Ça sera de fuir ce psychopathe fou, ce médecin de la mort. Je dis à très bientôt, cher auditoire, c'était Mister Moustache en direct de Outlast. À la prochaine. Bye.